Smart auditeur, nous tue seulement l'épisode 30, c'est pas révéler des choses. Ça se voit que Paul Gradel a beaucoup de regrets et que Mélanie l'aime encore. Elle est même prête à revenir avec lui. Écoutez, Paul Gradel, sincèrement, je ne sais pas pourquoi il agit de la sorte. Hein. Il peut très bien rentrer calmement avec Mélanie, surtout qu'elle lui demande aussi clairement. Mais ça, Paul, et toi-même tu l'as dit, on aurait mieux fait de ne pas se séparer. Je suis malade. Tiens, non. Révélation de choc. Tierno nous fait comprendre que c'est la même méthode employée pour la mort d'Etienne Data qu'il a employée pour celui de Franck. Mince, choc total, tout tourne sincèrement autour de cet Etienne Data. Franchement, est-ce qu'on va nous dire clairement de quoi il s'agit? Dossier Etienne Data. Oui, mais on a bossé jusqu'à en arriver là. Bouffi annonce. Tu n'as pas de patate. T'as pris le thé. T'as plus l'heure que je vais mettre un bain de taxi. J'espère vivement que notre Cisco va travailler main dans la main avec Issa. Et oui, et si jamais il y a la saison 3, non, qu'il soit plus que jamais présent. En ce qui concerne Gwen, plus que jamais, Salima Tamé, oui, on n'avait pas de doute là-dessus. Sauf que moi, qui pense comme moi d'ailleurs, en fait, Salima Tamé qui a fait qu'on tue Etienne Diata pour ne pas connaître son secret. Et oui, peut-être Etienne Diata faisait chanter aussi Salima Tamé, hein? Parce que sincèrement, je ne vois pas Gwen comme le mari de Salima Tamé, il est plus comme celui qu'on engage pour faire du sale boulot. Salima Tamé, ça va Salima Tamé. C'est toujours un réel plaisir de te revoir. Alors, on a confiance en l'équipe Choc pour nous résoudre cette affaire. Anyway, Mediva, je vous invite à faire un débriefing de cette bande-annonce en commentaire. Oui, j'attends, on attend tous samedi avec impatience. Ciao, ciao.